Regardez-moi ça, bonjour tout le monde, bienvenue dans Level One. Aujourd'hui on va jouer avec un jeu qui s'appelle Off-Road sur PC et c'est une course de 4x4 de buggy. Marcus, t'aimes ça les jeux bourrins? Je n'en peux plus mon Pierre Boulet des jeux de bourrins. Voilà, pas raconter ma vie mais on en est au moins au 5e ou 6e jeu de courses motorisées diverses, à roulette, à moteur, sans moteur, en vélo, en pédalo, en karting, en tout ce que je veux. Je me suis tapé des Level One d'affilée, peut-être 6 ou 8 d'affilée, avec que des jeux dans ce goût-là. J'en ai un petit peu marre, mais c'est très injuste parce que Off-Road est franchement très très réussi. Regardez comme c'est beau déjà, rien que l'intro. Vous allez voir que c'est magnifique, c'est sur PC que ça se passe. C'est de la 3D évidemment, et de la belle 3D en plus, vraiment c'est superbe. Le seul truc c'est que c'est un petit peu difficile et qu'il faut être extrêmement concentré, extrêmement pointilleux pour arriver à quelque chose. Donc autant dire que je vais évidemment me ridiculiser une fois de plus. Parce que vraiment, vraiment, vos adversaires vous laissent pas, ils lâchent pas une miette vraiment, ils lâchent rien. Du coup, c'est très très difficile, il faut vraiment être concentré. Et moi, évidemment, avec ma grosse tête à l'écran, les projecteurs dans les yeux, etc., j'ai quasiment aucune chance, je vais pas faire long feu. Je vais quand même pouvoir choisir ma voiture, regardez, il y a plein de types de voitures. Pour le moment, il n'y a que celle-là, il y en a d'autres qui s'ouvriront plus tard, vous voyez, non disponibles. Ça, c'est des petits, il y a des espèces de petits buggy qui vont très très vite. Au début, je suis obligé de me contenter de 4x4, pas très rapide, un peu poussif, mais quand même relativement stable. Donc on va prendre, allez, le premier qui vient, voilà par exemple le High Rider. Et on peut changer la carrosserie, alors regardez ça, c'est du plus mauvais goût. J'aime bien, mais comme c'est noir, un peu noir et rouge, on va pas avoir grand chose. Donc je vais prendre vanille framboise comme couleur, ça serait pas mal. Il y a plein de circuits, je vais essayer de faire un tour de chaque circuit. Regardez tout ce qu'il y a, il y en a vraiment de très nombreux et en plus originaux quoi. Et pour chaque piste, enfin chaque endroit, il y a à chaque fois deux ou trois circuits différents. Donc ça fait vraiment plein de choses à faire, plein de choses à visiter. On va commencer par le tout premier, voilà, c'était Evergreen Forest. Voilà, c'est parti. On va choisir, alors on peut tout choisir, vous voyez, soleil, pluie, nuit, verglas, voilà. On va rester comme ça, soleil le soir, on va faire juste un tour. Donc ça est paramétrable. On peut choisir le nombre d'adversaires, on va s'en mettre 5. Et leurs compétences, 3-4, catégorie 3-4. 4 c'est le pire, on va prendre les pires. Et vous allez voir que même les pires, alors c'est pas parce que c'est moi, je suis mauvais, hein, on est d'accord, et j'ai aucune honte à l'avouer souvent, mais là franchement ils sont très très difficiles. Si on les avait mis en mode, au mode 1, c'est-à-dire le mode le plus, là où ils sont le plus performants, on les reverrait pas pendant toute la course. Là en gros l'idée c'est qu'ils vont à la même vitesse que moi, ils ont les mêmes attributs que moi, vous allez voir qu'on peut utiliser de la nitro de temps en temps, sauf qu'ils conduisent mieux que moi, voilà. Donc ça c'est assez frustrant par rapport aux autres courses en général. Votre voiture va toujours un peu plus vite que celle des concurrents, ce qui fait que c'est pas trop difficile en général de doubler tout le monde et de remporter des courses. Là, c'est vraiment très très équilibré. Les concurrents ont exactement les mêmes voitures que vous. La même voiture que vous, ils vont à la même vitesse, ils ont le même nombre de nitro apparemment. Donc vraiment, c'est vos capacités qui font toute la différence, c'est vos capacités de pilote. Ce qui est génial parce que vraiment, c'est un truc, ça veut dire qu'il faut apprendre vraiment à bien piloter, à faire l'intérieur ou l'extérieur des virages en fonction de ce qui vous arrange le plus. Apprendre à trouver des raccourcis aussi, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a des raccourcis sur à peu près tous les terrains. La vache. À pas partir en vrille comme je suis en train de le faire, voilà, parce que là je me fais doubler par tout le monde. Mauvaise direction en plus. Allez, vite, c'est par là. Bon, bah là, c'est fini. Même avec la nitro, je suis pas sûr. Je sais pas où. Voilà, je vois pas bien. Même avec la nitro, je suis pas sûr de les récupérer. Enfin bref, ce sont vos talents de conducteur qui vont faire toute la différence. C'est pourquoi il faut être vraiment concentré. Pas parler pendant qu'on joue comme je le fais. Bon, vraiment. Vraiment, voilà, j'ai tout contre moi comme d'habitude. Donc j'y arrivais pas déjà difficilement quand j'étais tout seul dans mon bureau tranquille et que personne m'embêtait. Mais là, évidemment, en train de vous parler avec toute la configuration de Level One, c'est évident que je vais sûrement pas arriver dans les premiers. Je serai vraisemblablement tout le temps dans les derniers. Voilà, en plus là, je m'y prends vraiment n'importe comment. Heureusement que j'ai pris qu'un tour parce que c'était assez lamentable. Allez, fini avec un turbo, histoire de faire frime, mais c'est pas terrible, terrible. En tout cas, vous avez vu comme c'était beau, les décors tout autour. C'est vraiment très très réussi. Il y a des dénivelés de terrain. Voilà, on va quitter ce challenge-là et on va en prendre un autre.
On va changer de circuit à chaque fois. Il y a vraiment des très beaux dénivelés de terrain avec des bosses un peu partout au milieu de la piste. Tout ça est vraiment très très bien rendu. Voilà, un autre challenge, un joueur. On peut jouer à deux avec un écran splitté, séparé en deux horizontalement. Ça, c'est vraiment très très bien aussi. Voilà. Je vais continuer, je garde tout comme ça. Voilà, là j'ai que trois adversaires. J'aime bien quand ils sont plus nombreux, moi. Bon, enfin bon, chacun son truc. Voilà, donc il y a des décors très différents, variés et vraiment très très jolis. Ça donne envie de faire du tourisme. Ah, c'est qu'on n'a pas le temps de faire du tourisme, il faut y aller direct. Vous avez vu, il y a plusieurs vues. Là, je suis passé en vue subjective. C'est de loin le plus impressionnant, mais en même temps, c'est pas le mieux pour évidemment pour conduire, parce qu'on a du mal à voir au loin. Donc il vaut mieux repasser. Oh la vache, on m'a un petit peu bousculé, on m'a un peu forcé à aller tout droit alors que je voulais pas forcément. Voilà, comme ça on voit mieux en plus les adversaires qui vous rentrent dedans, qui essayent de vous choper et de vous faire un peu basculer en tapant vers l'arrière de la voiture pour vous faire déraper. Bon, ça commence plutôt bien, mais je sais que ça va pas durer en même temps. Je suis très lucide sur ma condition. Ouh, là vous voyez, je suis passé sur le côté, j'étais pas obligé, j'aurais pu prendre le chemin à gauche aussi. Ça c'est un vrai plaisir dans Offroad, c'est de pouvoir prendre des petits chemins de traverse pour essayer de gratter un peu les concurrents. Et puis donc j'ai des petites bouteilles de nitro, vous voyez c'est les trois petites bouteilles bleues à droite de l'écran, en bas à droite, sous le compteur. Et ça, ça me permet d'aller plus vite, de temps en temps, quand je repère une belle ligne droite, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que si vous balancez la nitro en plein milieu d'une bosse ou un truc comme ça, vous risquez quand même de vous retourner. Et c'est pas évident. Voilà. Après j'attends une ligne droite pour prendre ma nitro. Ah, je vois rien du tout là. Allez, c'est par là. Allez, un petit coup de nitro pour redémarrer plus vite, histoire de ne pas me faire gratter par les autres. Vous voyez, c'est quand même assez efficace. Hein. Look. Oh, dites donc, je suis arrivé premier, mais qu'est-ce qui m'arrive? Coup de peau inouï. On va faire, on va quitter ce challenge, on va en faire un autre. Donc comme ça, on va vraiment voir le maximum de circuits. Qui fait ça? C'est les gens de chez Rage, super dur à dire, Rage Software. Ils sont plutôt bons dans l'ensemble. Et là, ils le prouvent une fois de plus. Voilà, on garde toujours Marcus, on va peut-être changer de voiture, tiens. Voilà, celle-là est très jolie. Et on va changer d'endroit. On va passer à Wilmersford. Voilà, je voudrais bien vous faire voir des... On va mettre plus de gens. Bien quand même plus de gens. Voilà. J'aimerais bien vous faire voir des raccourcis. Parce qu'en général, il y en a, y a des petits raccourcis. Parfois à travers bois. Parfois, il faut balancer 2-3 bottes de paille pour pouvoir dégager le terrain et passer dans un petit raccourci. Mais en tout cas, il y a toujours des raccourcis. Voilà, je vais prendre ce mode de vue-là. C'est quand même... Là où on voit le mieux ce qui se passe. Attendez-moi les gars! Vous voyez, je vais vraiment à la même vitesse qu'eux. Et ensuite, tout dépend à quel endroit je choisis de passer. Là, par exemple, c'est une mauvaise idée de se faire le malin et d'essayer de passer sous la pelleteuse. Allez, un petit coup de turbo pour rattraper le coup. J'ai que 3 turbos, alors en même temps, j'ai pas intérêt à les dilapider bêtement. Là, j'ai pris qu'un tour, enfin, c'est-à-dire j'ai paramétré les courses de façon à ce qu'il n'y ait qu'un tour à faire. Donc, du coup, on arrive à utiliser les 3 turbos, mais quand vous ferez des courses de plus de 2 tours, 2-3 tours, il faut vraiment gérer au mieux les turbos pour arriver à faire quelque chose. Tiens, allez, voilà, un turbo, c'était vraiment pas le moment. Ah là là, en plus, il est vraiment gâché. Vous avez vu la balle de paille? Une balle de paille, on dit. Le ballot de paille qui a volé sur le côté. Il y a plein d'éléments du décor qui volent comme ça. Il y a des petits panneaux, il y a des... Oh la vache. Il y a des chapeaux de clown, là, des trucs de chantier, des balles de paille, enfin il y a plein de trucs qui se baladent. Ça fait un décor vraiment très très riche et très très joli en plus. Quittez le challenge, voilà, truc obligé à chaque fois de... Je suis désolé, on repasse par les menus à chaque fois, mais en même temps, vous verrez le maximum d'endroits comme ça, c'est pas plus mal. Voilà, challenge, un joueur, toujours Marcus, j'ai pas changé de nom entre temps, on va changer de voiture. Clac, voilà. Pas bien vu la différence entre une voiture à l'autre. Ah, Red Rock Canyon, j'aime bien. Là, il y a plein de raccourcis. Je vais essayer de vous faire voir. Oui, c'est vrai que à chaque fois, j'oublie. J'oublie de vous faire voir les raccourcis. Je suis un peu tête en l'air. Je suis désolé. Bon, allons-y. Un peu de concentration. Quand même fini premier une fois. Si je m'attendais à ça. On va essayer de le faire 2 fois. Ce serait sympa. Vous avez vu qu'il y a un hélico qui suit la course. Et quand il décolle au début, on voit un nuage de poussière qui s'élève de l'endroit où était l'hélico. C'est bourré de petits détails comme ça, qui rendent vraiment graphiquement le jeu très très riche. Alors, essayez de prendre à droite, regardez, ils ont tous pris à gauche, bah voilà, c'était pas une bonne idée. C'est pas du tout un raccourci. Un peu de nitro, histoire de les rattraper.
Ah, je vois rien. Dès que c'est un peu sombre, je vois absolument plus rien. Moi, j'ai les projecteurs dans la tronche. Et je sais pas où je vais. Je sais même pas si c'est par là ou pas par là. Je dois être de l'autre côté, voilà. Je vois rien. Non, je sais rien. Aïe. C'est trop sombre pour moi. Ça doit être par là, à peu près, voilà. Bah, du coup, je vais avoir le temps de vous faire voir les raccourcis. Parce qu'ils sont vraiment partis loin, là. Ils n'ont pas attendu, bande de lâches. Regardez, par exemple, hop, là, je vais prendre à droite. Non, c'en est pas un. Ça doit être un petit peu plus loin. Il y a un raccourci un peu plus loin. D'ailleurs, vous le voyez sur le plan, en fait. On voit le plan en bas à gauche. On voit qu'il y a plusieurs bifurcations et qu'on peut prendre plusieurs chemins différents. Voilà, là, je suis en train de regarder le plan. Je regarde plus la route. C'est bien fait pour moi. Là, on devrait pas tarder à arriver sur un raccourci. Ça servira à rien. Allez, regardez, c'est à droite, hop, je balance quelques ballots de paille. Alors, entre parenthèses, ils sont un peu sévères avec les ballots de paille, et vous avez vu que ça m'a fait carrément reculer. Alors que normalement, ils auraient dû simplement voler en éclats. De temps en temps, les ballots de paille, c'est bien gentil, mais ça change votre trajectoire de manière un peu trop brusque. Et du coup, on a vraiment du mal à récupérer. Voilà, c'est par là, c'est à droite, je peux filer un petit coup de frein pour déraper un peu plus. On dirait que je suis ivre mort, en fait, quand je conduis des fois. De nitro pour le fun, voilà. Ça, j'aurais bien gaspillé toutes mes bouteilles de nitro. On va essayer de faire des courses peut-être un peu plus longues, histoire qu'on ait le temps de voir mieux chaque circuit. Alors, en même temps, plus on en voit, moi je trouve plus c'est sympa. C'est un cruel dilemme. Allez, challenge, un joueur. Toujours Marcus. Maraudeur, j'ai pas encore ouvert, je suis pas prêt d'ouvrir de nouvelles voitures, mais enfin, il y a de nouvelles voitures qui apparaissent évidemment au fur et à mesure. Tac, on va mettre. On va mettre 5 gars, comme ça on fera la course avec eux. Et on va aller à Dagoda Coast. Je ne sais pas où ça. Ça se trouve, ça existe en vrai. Et je suis nul en géo, donc je sais pas. Allez hop, je vais reculer la petite caméra. Regardez comme ils sont sautillants, mes petits camarades. Dès qu'il y a une bosse, ils volent un peu. Et moi avec. En tout cas, je trouve ça marrant, c'est une bonne idée, je trouve, d'avoir fait des adversaires de valeur qui ont vraiment les mêmes caractéristiques que vous. Pour une fois, il n'y a pas de piston. D'habitude, dans les jeux vidéo, le joueur est toujours un petit peu pistonné, il a plus de turbo que les autres, il va un petit peu plus vite. Et bien là, c'est pas le cas. Donc c'est pas mal. Tiens, on va essayer. Ah, je voulais essayer le raccourci, là. Il y a un raccourci sur le côté. Voilà, vous avez vu, il y a un candidat qui l'a pris, je vais faire comme lui. Ah bah voilà, c'était pas un gros raccourci, finalement. Coup de turbo pour attraper tout le monde. Ah, lui, il a pris du retard. Par contre, le truc, c'est qu'ils se plantent assez rarement. Ils sont redoutablement bons. C'est rare de les voir Ah, il y avait un raccourci à droite, il l'a pris, j'aurais dû le prendre. C'est rare de les voir s'entrechoquer ou faire de grosses bêtises. En général, ils se débrouillent vraiment très bien. Allez, petit coup de turbo pour doubler ces deux-là. Voilà, pour le mettre en l'air. Je suis deux, si ça pouvait durer, ce serait pas mal. Pas le meilleur endroit du monde pour prendre un turbo, mais bon, je l'ai pris quand même. Ah, trois, oh, quel dommage, quel gâchis. Vous voyez, les petits spectateurs un peu sur le terrain de temps en temps, ils sont pas très enthousiastes, on les entend pas beaucoup. Quitter le challenge, encore une fois. Des petites musiques rigolotes, sans plus. Au moins, elles sont pas saoulantes. Allez, challenge, un joueur, Marcus. Encore on change de voiture? Non, les autres sont pas disponibles. Bon, je vais garder celle-là, je l'aime bien. On va changer la carrosserie. Vert, ça vous plairait? Ouais, allez, on va les garder vertes. Voilà, c'est ensuite continuer. Et on va aller à Mont-du-Bon. Non, je crois définitivement ça n'existe pas vraiment. Mont-du-Bon, je saurais quand même. Allez, course, c'est parti. Donc circuit 1, vous avez vu, il y a plusieurs circuits. Là, je ne peux pas y aller tout de suite, comme je n'ai pas ouvert encore le championnat et tout ça. J'ai accès qu'au premier circuit de chaque décor, mais pour chaque décor, il y a plusieurs circuits. Donc j'ai pas compté combien ça faisait, mais ça fait beaucoup. Je pense qu'il doit y avoir au moins 7 ou 8 circuits, avec à chaque fois, disons, 3 circuits différents pour chaque décor. Ça nous fait une bonne vingtaine de circuits, tout ça. Ouh là là, oh là, c'est serré là. Ouh, je l'aime pas celui-là. J'avais déjà joué une fois sur celui-là. Je l'avais pas aimé du tout. Ouf. Et en plus là j'ai vraiment les véhicules du début, donc c'est pas les plus rapides. Ensuite on se retrouve avec des buggy qui vont encore plus vite. Vraiment c'est pas évident. Ça commence à speeder un petit peu, vu que c'est en montagne, c'est en descente et on prend vite de la vitesse.
Ouh. Ah, il y a un petit coup de turbo. Je vais doubler mes petits camarades. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, regardez le plan du circuit sur la gauche. Cette fois, c'est plus un circuit en boucle comme les autres. C'est un circuit en longueur, c'est-à-dire une route en fait. Et c'est bien ça, parce que c'est bien de mélanger un peu les deux, de changer un peu des trucs en boucle et de temps en temps de faire une petite portion de route. On a l'impression de faire du tourisme et de voyager un peu plus. Attendez-moi! Ah, ils sont pas sympas, ils pourraient m'attendre quand même. Oh la vache! Je voulais prendre le raccourci, j'ai pas eu le temps. Enfin voilà, faut tout essayer. Il y a des raccourcis qui rallongent évidemment, comme dans la vraie vie. Donc à vous d'essayer plusieurs fois et de trouver. Ouf, j'ai tendance à baisser la tête. Ça prouve que je suis idiot. Et que la 3D est bien faite aussi quand même. C'est vraiment une belle, belle 3D. Voilà, oh la vache. Ah, il dit que c'est sombre, moi je suis perdu. Bon voilà, bon, on va s'arrêter là pour ce level 1 sur Off-Road, qui est un petit jeu bien sympathique sur PC, je vous le recommande vraiment. Ça nécessite beaucoup de concentration, vraiment, mais ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup de s'accrocher pour arriver à quelque chose. Tiens, allez, on va partir, on va remonter la montagne juste pour rigoler, pour terminer. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. J'essaierai de conduire plus prudemment, c'est promis. Ciao, soyez sages.